Et salut tout le monde, ici Petit Seb en direct de Minecraft, toujours sur la carte Ocarina of Craft. Et je vais poursuivre mon aventure et mon avancée sur ce volcan en ébullition. Donc on était à la recherche du temple du feu. C'est fissuré ça, je peux le casser? Ouais, non. On va arrêter les bêtises, hein. C'est pas fissuré comme les autres. Voilà, un tout petit jump assez facile. Ouais. Ah, fou, j'avais même pas vu la suite des escaliers, moi. Très bien, très bien. Par là, par là, par là, par là. Ah, il y a quelque chose ici. On y va, on y va, on y va. À mon avis, c'est pas par là. C'est par là. Donc là, je peux pas encore y aller. Il va falloir passer par au-dessus pour redescendre. Hop, je prends pas de risque, je cours pour jumper. Deux rubis de plus. Et c'est trop gentil d'avoir pensé à mettre un checkpoint juste ici. Alors, Navi me dit, voici enfin le haut du volcan, il ne faut pas s'attendre à un temple très simple, je pense en plus, il est entouré de lave, une chance qu'il y ait une fontaine. Bizarre non, une fontaine, aussi haut. C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est un peu plus ce que je voulais faire. Vers le village Goron. Très bien, donc on ira. Tiens, il y a un truc bizarre ici. Temple du feu. Et du coup, c'était quoi cette espèce de... Je sais pas ce qu'il y avait sur le côté, ça m'intrigue. Si on n'y passe pas en faisant le donjon, j'irai voir. Là, il me faut. Un CD. Ça permet de faire le tour. Je sais pas s'il fallait que je fasse ça, mais comme depuis tout à l'heure, il nous demande d'arroser la lave. Je pourrais passer par là pour aller là-bas, mais là je peux pas y passer.
avant ça, désolé pour cette petite ellipse sauvage. Je pense qu'il est possible qu'il y en ait d'autres durant cet épisode, hein. Je m'excuse d'avance. Tout simplement, c'est un moment où je vais enregistrer par morceau, mais là, il me manque la clé du donjon en fait. Oh, le méga slime, je me tire. Il est bien bugué en plus, on dirait. Allez. Il y a quelque chose par là-bas. Bon, on avait presque dit qu'on pouvait monter par là. Alors, il est où le squelette? Ok, il a bugué. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre. Et je vais aller lire ce qu'il y a là. Alors. Les murs sont étranges, il doit y avoir quelque chose caché par ici. Je pense que c'est un morceau du donjon. Et c'est quoi ce... Ouais, je déteste ces foutus slimes. Et je déteste l'épée de Picoron. Comme elle les envoie balader, on peut pas les tabasser. Allez. Waouh. Ah voilà, comme ça j'ai tout esquivé. Retour au point d'arrivée de... Ah! Retour du squelette en mode visible. Beaucoup plus facile à tuer du coup. Je sais, je sais. Rail qui passe, mais je pense que c'est pas ça pour descendre. Allez, mais pourquoi j'arrive jamais à tuer ce machin? C'est pas... Ah. Bon, je rentre dans le donjon, si j'y arrive, voilà. Et je vais faire une ellipse ici. Oh bah, ah, j'ai trouvé la clé. Mais je vais quand même faire une petite ellipse ici et je vous retrouve plus tard. Et re tout le monde. Donc voilà, après cette petite ellipse, je rentre la clé du donjon. Et ça m'a ouvert... Ah bah la porte qui est là.
ça tombe bien, j'ai déjà mis les plateformes comme il faut. Encore le même que tout à l'heure. J'ai réussi. D'accord, raccourci jusqu'à l'entrée. Là on a de nouveau de l'eau au besoin. Alors les murs sont étranges, il doit y avoir quelque chose caché par ici. Je ne pensais pas à ça. Alors il faudrait que je mette de l'eau ici. Seul flacon rempli d'eau. C'est pas par là, hein. Ça c'est trop risqué. Alors. Et voilà. Je sais pas s'il fallait le prendre comme ça, je pense pas, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, les bons, j'en avais déjà. Et là, c'est qu'un raccourci ici. Échelle pour descendre et j'ai sauté comme un imbécile. Notre échelle juste là. Donc là il me faut une pierre de téléportation pour aller de l'autre côté. Et je me demande où je vais la trouver. Waouh. Hop. Torche de redstone. Très bien. Je me demande à quoi elle sert. Ah, bah bien sûr. Pour la porte de l'autre côté, bien entendu. J'arrive même plus à monter moi. Perle de téléportation.
je vois pas du tout ce que ça a ouvert. Ah ça. Peut-être. Oh non. Ou peut-être le moyen d'atteindre la perle sans... sans utiliser... Hop, le checkpoint. Le moyen d'atteindre la perle sans utiliser... l'eau puisque je ne suis plus censé en avoir. Ah oui, voilà. Donc là, c'est bien ce que je dis, je n'étais pas censé la prendre tout à l'heure. Je vais supposer que c'est par là. Seul endroit où je ne suis pas allé. Vous pouvez brûler ceci. Y a rien là. Non. Pas comme ça qu'il faut faire en tout cas. Ah, la boule de feu. Ah, c'est ça qui me manquait. Tous les recoins de la carte, qu'on les voit ou pas, sont utiles. C'est vraiment, vraiment génial. Alors, la boule de feu qui va me permettre... qui va rien me permettre du tout. Je vais passer comme ça parce qu'apparemment la boule a bugué. Un tricheur, j'envoie tout ça là où ça doit être. Je le sens mal. Un briquet. D'accord. Mais du coup, en bas ici, ça sert à quoi? C'est ça la question. On va aller voir.
dirais qu'il n'y a même pas d'échelle pour remonter. Et c'est pas une dalle en bois, c'est une dalle en pierre. Du coup, je peux pas l'activer comme ça. Ouais, mais je peux plus sortir non plus. Ah si, il y a une échelle là. Ok, sortie du donjon. Donc j'ai obtenu ce que je voulais. Et je n'ai plus qu'à quitter cet endroit. Ah, maintenant que j'ai le feu dedans, je peux tout brûler. Tu me suis, toi. Tu vas bien de suivre les gens. Alors, ça j'en ai pas besoin, ça non plus. Et tout le reste je garde, bien entendu. Ben, je pense que je vais m'arrêter juste ici, n'est-ce pas? J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Et nous, on se retrouve demain pour la suite de nos aventures. Salut! Hey, watch out!